Ok, on reprend où on s'était arrêté. On va juste appeler le bus pour repartir. Ok, la vengeance contre Bert. Ah, d'accord. Fallait pas faire ça. Le fabuleux pouvoir du scénario. Et bien marrant cette mission d'ailleurs. Tu vois, le principal du lycée, si tu veux, ils vont l'enfermer dans des chiottes et ils vont le faire tomber d'une falaise ou un truc comme ça. Quoi? Ouais, t'as bien entendu. Tu fais les pinces coupantes. Exactement. Ah d'accord. Non, le chien, non. Casse-toi de l'auto. Oh le chien! Ah d'accord. Ok, c'est parti. Je m'en fiche que t'as besoin de me mettre. Ça a l'air très sympathique. Vandalisme anti-pauvre. Ok, c'est parti. Je vais te le faire avec discrétion en plus. Il y a des pierres tombales là-dedans.
Voilà. Aller jusqu'au quai. Pardon. Trophies. Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove why. They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Viv. Let's leave this king of the school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? America! Fuck yeah! Ouais, fin de l'épisode.